Betty, mon ami, la fille d'Oyibobe. Adego. Tu n'es pas censée d'être dans ce village, je te dis. Je sais, oh. Regarde comment ta peau brille. Qu'est-ce que j'y peux? Parfois, je t'envie, oh. Tu es sérieuse? Ah, mais toi aussi ta peau brille. C'est pas vrai. C'est toi la vraie Oyibo. Dépêchons-nous, oh. On doit encore aller sécher ça. Ok, je fais vite. Te voilà. Betty, Betty, tu sais que je t'ai dit que j'allais rendre ce village insupportable pour que tu y vives. Oui, je t'ai promis de rendre ta vie dans ce village un vrai enfer et je le ferai tout de suite. Steph, es-tu malade? Si je te frappe, fiche le camp, dégage de là. Hein? Viens, tu es folle? Tu es stupide? Une bagarre? Viens là. Oh mon Dieu! Allez, viens, on sépare ces filles. Viens là. Bonjour, le prince est là. Oui, par là. Ok. Que s'est-il passé? Vous nous avez fait attendre. Mon prince, vraiment désolé. Vous savez qu'on m'a un autre métier. Je devais m'occuper de quelques patients avant de venir. Je comprends. Le plus important, c'est que vous soyez là maintenant. Merci, mon prince. Mon prince, après vous. Juge de nos problèmes. Question. Tu viens d'entendre le 16 août pour venir nous juger ici? Bonne question. Oh, donc c'est ce que tu dis? Que veux-tu que je dise d'autre? D'accord. Reprenez là où vous avez commencé. Viens, on va te battre. Viens. Ça va te prendre. Si tu me parles encore. Lâche-moi. Pars ici. Allez.
Docteur, comment va-t-elle? Mon prince, sa température est très élevée. On doit faire quelque chose avant qu'il ne soit... Que devrais-je faire d'autre, docteur? En ce moment même, nous venons de rentrer de l'Inde. Je l'ai amenée à l'étranger pour qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux. Mais rien n'a été découvert jusque-là. Alors dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Il est évident que c'est au-dessus du domaine médical. C'est exactement ce qu'on m'a dit à l'étranger. Que rien n'a été trouvé. Que c'est au-delà du domaine médical. Conseillez-moi. Mon prince, avez-vous essayé d'autres moyens? Ono, une fois de plus, tu es le bienvenu. Merci beaucoup, mon prince. Je t'ai fait venir ici parce que... je voudrais que tu me conseilles sur ce que je suis supposé faire maintenant. Comme tu le sais certainement, la reine est revenue de l'étranger avec comme résultat que sa santé est au-dessus des compétences médicales. Alors je te demande, Ono, que dois-je faire maintenant? Mon cher prince, dans ce cas, Asamne Fedalomnele Boku Keja Choya. Ce qui est tombé dans le ruisseau doit être recherché avec les pieds, mais pas avec les mains. Je suggère que vous invitiez la prêtresse. Faites-la venir ici, afin qu'elle regarde dans l'inconnu et l'invisible. Qu'elle communie avec les dieux. Et peut-être... les dieux vont peut-être donner une solution durable à la situation. Voilà le conseil que je peux donner. Mon prince, vous devez faire ce qui vous a été conseillé avant que le pire n'arrive. Merci. Merci, docteur. De rien. Ne vous en faites pas. Je vous donnerai quelque chose qui fera baisser sa température. Merci, j'apprécie vraiment que vous soyez passé. D'accord, je vais chercher les médicaments. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ok, je vous rejoins de suite. Tu dois te battre. S'il te plaît, maman. Tu n'appartiens pas à cet endroit. S'il te plaît. J'ai besoin que tu n'abandonnes pas pour moi. Ma copine. Mon amie spéciale. La seule qui me dit les vraies choses. Tu vois? Toi-même, tu as une info. Et Ourie m'a raconté que Steph et Betty ont bagarré aujourd'hui. Dis-moi tout. Tchou, il y a eu quoi? Cancanière. Tu adores les petits ragots. Toi. C'est mon passe-temps. Tu ne veux pas me dire? Ah, laisse alors. Bien sûr que je vais te dire, non? Thank you.
Longue vie à vous, mon prince. Qu'y a-t-il? La fille de Nohou est là pour vous voir, mon prince. Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, mon prince. Selon elle, elle est venue vous apporter à manger. Quelque chose? Oui, mon prince. Fais-la donc entrer. D'accord, mon prince. Allez-y, entrez. La voici, mon prince. Bonjour, mon prince. Excusez-moi. Je suppose que vous êtes la fille de Nohou. Oui, mon prince. Je m'appelle Betty. Mon père dit que je suis belle et travailleuse. Et c'est pour ça qu'il m'a donné le nom de la révérende sœur qui a prié pour moi en premier quand je suis née. Alors, comment puis-je t'aider? Mon prince, ce par quoi vous passez n'est plus un secret. Depuis que votre mère, notre reine, est tombée malade, il est évident que vous êtes mal nourrie. Et donc, j'ai jugé bon de cuisiner ce repas pour vous. Rien que pour vous, mon prince. Je sais que vous allez aimer. Alors, tu es venu jusqu'ici pour me dire que ce que je mange dans ce palais n'est pas bon pour moi? Non, mon prince. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mon prince. Mon prince, ce n'est qu'un cadeau innocent que je vous ai apporté. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de votre nourriture. Mon prince, ça m'a coûté cher de vous cuisiner ce repas. Et je sais que vous allez aimer. C'est délicieux, s'il vous plaît. Mon prince, merci beaucoup de l'avoir accepté. Je peux goûter si vous le voulez. Non. Ne t'inquiète pas. Merci de me faire confiance. Merci de vous inquiéter pour moi. De rien, mon prince. Mon prince, une fois de plus, je voudrais vous exprimer ma sympathie. Vu l'état dans lequel se trouve votre mère, j'ai la ferme conviction que tout ira bien. Elle va retrouver la santé.
et vous serez heureux vous aussi. Merci. De rien, mon prince. Hey! Nawao! Mais je suis surprise que le prince ait accepté de prendre sa nourriture. Chewe, le plus intrigant ici est de savoir comment elle a pu nourrir cette idée dans son cœur de préparer pour le prince pendant longtemps. Ça, c'est vraiment très intrigant. Très intrigant. C'est intrigant. Mais certaines filles ont du courage. Elles ont du courage. Chou! Ah! De toute façon, heureusement, heureusement que tu n'es pas comme ça. Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Parce que moi, Heidi, sois si désespérée pour cuisiner pour un prince qui ne sait même pas que j'existe. Pas moi. Ah, pas moi. Donc c'est toi qui allais raconter les choses qui ont causé problème. Maintenant, il y a eu bagarre. Bien sûr. Tu sais que Steph a aussi des vœux sur le prince. Elle a commencé à nourrir des sentiments pour lui bien longtemps avant Betty. Elle nourrissait? Oui. C'est une nourrice? Bientôt, elle va allaiter ses sentiments. Écoute, ça veut dire que c'était dans son esprit. Oh, oui. Mais il fallait parler comme ça. Je ne comprenais pas. Hey, mais attends. Le prince ne sait pas que la fille a des sentiments pour lui? Ma sœur, je ne pense pas. Parce que je ne l'avais jamais vu entendu parler de ça. Ni même le montrer. Je peux imaginer. Hey! Ça fait vraiment très mal quand tu aimes beaucoup un homme qui ne te regarde même pas. Chewe, comment sais-tu tout ça? Comment tu le sais? Qui te l'a dit? Qui m'a appris? Qui m'a appris? Ah tiens, voilà, c'est fille. Un enfant de la mort comme moi. Je m'en doutais. C'est ça même. Je savais que tu allais être ici-là. Hein? Tout ce que tu étais censé faire à la maison, tu n'as rien fait. Tu as seulement fait les ragots. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ça ne fuit pas. J'ai des infos croustillantes. Ah non, 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 je n'ai même pas envie de comprendre, s'il te plaît. Sœur, si tu entends ça. Allez, lève-toi, viens pas. Lève-toi, lève-toi, viens pas. Viens, lève-toi, viens pas. Lève-toi. Je vais finir par te porter, hein. Allons-y. Oh, alors qu'il y a des infos croustillantes. Hein? Mon ami. Toi, tu la verras plus tard, s'il te plaît. Alors qu'il y avait. Il ne laisse même pas mon ami. Avance, viens pas. Que tu fais ça? Écoute, est-ce que tu sais que ces filles ont bagarré? Allons. Tu sais que tu la verras plus tard. Allons-y. J'aime beaucoup les ragots. Elles ont bagarré. Tu as commencé cette bagarre et on doit la continuer. Sache une chose, à chaque fois qu'on va se rencontrer, toi et moi, on va bagarrer. Tu entends? N'importe où, que ce soit au palais, à la rivière ou à un autre endroit, donc sois prête pour moi. C'est ce que tu veux? C'est ce que je veux, et même plus. Oh. Oui, je suis contente qu'il n'y ait personne ici actuellement pour nous séparer. Alors, allons-y. Bien, je te donnerai ce que tu veux. Vas-y. Ah, qu'est-ce que j'attends? Viens te battre. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux me porter? Tu vas voir. Attends. Oui. Tu veux mourir? Tu veux me porter? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais quoi? Tu ne peux pas me dire... Tu es au sol et tu me fais la gueule, n'est-ce pas? On va voir. Je vais te tuer aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. Je vais te tuer. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu vas voir. Ciao! Arrêtez! Je vous demande d'arrêter! Stop, stop, stop! Mais arrêtez! Arrêtez de vous bagarrer! Je vous ai dit d'arrêter! Arrêtez laisse ça tout moi, de suite! Laisse-moi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi la crocher! Arrêtez! Arrêtez de vous bagarrer! Ça suffit! Viens. Je vous viens. Ai dit d'arrêter! Arrêtez! Viens. Arrêtez! Mais arrêtez! Viens! Retourne d'où tu allez, viens! Allez, viens! Arrêtez! Toi, va-t'en d'ici! Va-t'en! Je vais te tuer! Retourne! Retourne d'où tu viens! Je t'ai dit de retourner! Viens. Mais c'est quel genre de bagarre ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la chance! Tu as de la chance! Mais arrêtez! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit d'arrêter! Laisse-moi! Ça suffit! Ça suffit! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as de la chance! La prochaine fois, je vais te régler ton compte! La prochaine fois, tu vas voir ce que je vais te faire! Seigneur Jésus-Christ! Mais c'est quel genre de bagarre ça? Ha! Je rentre chez moi. Ah ah! C'est quel genre de bagarre ça? Hein?
Ulama. Ouais, papa. Il est sorti. Il ne t'a pas dit où il allait? Non. Et maman? Elle est allée voir une amie. J'espère qu'il n'y a pas de problème, vu ton état. C'est une longue histoire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Laisse tomber. Ah ah! Hey! Now, wow! Ah ah! Vu son état, j'espère qu'on ne l'a pas battu. Ah! Je me demande quel genre de fléau a bien pu tomber sur Sa Majesté. Fléau? Tu appelles ça fléau? Parce que, en ce qui me concerne, je vois ça plus grand qu'un simple fléau. Oh. Je pense que tu as raison. Parce que, comme nous le savons tous, les Indiens sont les meilleurs pour soigner tout genre de maladie. Et ils n'ont pas pu soigner la reine. Ça veut dire que c'est plus que ce qu'on croit. Exactement. Si on pouvait lui dire ça. Elle est si pacifiste. Elle me manque beaucoup. Oh. Moi aussi, ma chérie. Je prie juste que la prêtresse la fasse redevenir normale. Que faites-vous toutes ici? Cindy, donc tu as rejoint la Ligue des commères dans ce palais. Tu es censée être la chef des servantes du palais. Et qu'est-ce qui te fait penser que nous parlions de quelqu'un? N'est-ce pas évident? Hein? N'est-ce pas évident? Commère, en tout cas, je n'ai pas le temps de me disputer avec vous. Avant que je n'ouvre mes yeux, je veux que vous retourniez toutes à vos postes de travail immédiatement. Partez! Allons-y. Allons-y. Commère! Commère Pro! Le fou qu'on voit sur la place du marché n'y est pas par hasard. Soit l'esprit qui l'a rendu fou y est, soit celui qui doit le sauver y est présent. Le feu n'est pas la source de force pour une marmite bouillante au milieu de la rivière. Oh. Mais les derniers dit que... Tu parles en parabole. S'il te plaît, peux-tu nous parler plus clairement? Parle-nous dans un langage que nous comprenons, pour qu'on sache exactement ce que tu veux dire. Je t'en prie. Dites-nous exactement ce qu'ont dit les dieux. Je ne peux pas regarder ma mère coucher ainsi plus longtemps. Les dieux ne m'ont pas encore révélé la vraie source de son affliction. Mais je vous demande de me donner plus de temps pour communier avec les dieux. Et je reviendrai vous dire ce qu'ils ont dit. Je ne peux pas être aussi patient. Je te dis juste, je ne vais pas laisser ma mère être couchée ici plus longtemps. Mon prince, je vous en prie, calmez-vous. Gardez votre calme. Les affaires spirituelles ne se font pas à la hâte. Ne soyez pas pressés, on ne commande pas les dieux.
Pas du tout. Je vous en prie, peut-être qu'on devrait lui donner un peu de temps afin qu'elle puisse faire une consultation un peu profonde, qu'elle communie avec les dieux et ensuite qu'elle revienne avec de meilleures informations. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous. Alors dis-moi, qu'est-ce que la prêtresse dit à propos de sa condition? En fait, rien. Les dieux n'auraient encore rien dit au sujet de la maladie de ma mère. Eh bien, je voulais te demander un truc. As-tu essayé avec l'église? Tu gères l'amener voir un pasteur? L'église. C'est par là que j'ai commencé. Avant de l'emmener en Inde. Oui, toutes ces choses n'ont pas d'issue. Alors? Donc à l'heure qu'il est, ils font y, je suis désemparé. Ne sois pas découragé. La personne dont on parle, c'est ta mère. Oui. Tu dois faire tout ce qui est humainement possible pour qu'elle survive. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Honnêtement, tu n'as pas idée de ce par quoi je suis passé. Mais j'apprécie ton soutien. Merci. Merci. Ok. Je dois y aller maintenant. J'ai une mère malade sur laquelle je vais veiller. On se voit bientôt. D'accord, frère. Rappelle-toi. Appelle-moi toujours. Je le ferai. Tu sais, je peux pas te laisser tomber. Bien sûr. Je dois y aller maintenant. Bien sûr. Alors, à la prochaine. D'accord. Je t'ai toujours dit que t'étais quelqu'un de bien, mais tu ne m'as jamais cru. Bonjour, Ma. Comment tu vas? Je ne sais pas. Je suis sûr que tu dois avoir faim. Maman, tu dois te restaurer. Vas-y, maman. Tu dois manger quelque chose. Très bien. J'insiste. Je vais demander au servant de te faire quelque chose à manger. Ne dis pas non, ou tu vas me faire pleurer. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, je t'aime. S'il te plaît. Super. Je te reviens. Ça ira. Je reviens, maman. Une mère poule vigilante protégera toujours ses poussins du carnage de l'épervier. Parlez-moi, Dieu de mes ancêtres. Mbelede Nyedike. Mbelede. De grâce, qu'est-ce que les dieux sont en train de dire? Que disent-ils? Parle-nous, afin que nous comprenions ce que les dieux sont en train de dire.
Quand une femme décide de cuisiner une soupe trop claire pour son mari, son mari apprendra à laver le couscous avant de le tremper dans la soupe. Ça va au-delà de l'ordinaire. C'est plus que ce que vous pensez. Que pensez d'autre? Qu'est-ce que... Une soupe trop claire et un couscous sale ont à voir avec la santé de ma mère? Empressez-vous de nous dire ce qu'ont dit les dieux à son sujet avant que je m'énerve! L'amour que votre défunt père le roi avait pour votre mère sortait de l'ordinaire. Ils ont fait un pacte de ne jamais se séparer. Ils ont juré de vivre et de mourir ensemble pour pouvoir jurer de leur amour jusque dans l'au-delà. Mais malheureusement, votre défunt père est mort avant votre mère. Et c'est pour cela qu'elle est dans cet état. Beladen, Yadike, je t'en prie. Ivana Miago Simina Guillermo Soso, l'unique chose qui n'a pas du tout de solution dans la vie humaine, c'est juste la mort. Grande prêtresse, que pouvons-nous faire? Est-ce qu'il n'y a absolument rien que l'on puisse faire pour briser cette relation? Je veux dire, pour briser ce pacte? Vu que l'un d'entre eux est mort et que l'autre est encore en vie, y a-t-il rien que l'on puisse faire pour remédier à la situation? Oracle des dieux, je t'en prie. Oracle, dites-moi ce que je peux faire pour remédier à cette situation. La solution pour que ma mère rentre à la normale, s'il vous plaît. Odele kalaru na makuzu avo. Odogu dele kalaru na makuzu avo. Dele kalaru na makuzu avo. Inabwazi wale mudu mu. Okwe kusilewaye. Okwe kusilewaye. La bague. Quelle bague? Ils ont fait ce pacte avec une bague spéciale que l'esprit de votre défunt père a. Et tant que cette bague n'est pas retrouvée, votre mère ne sera plus jamais normale. Mais de quoi est-ce qu'elle parle?
Une belle idée, de quoi est-ce que tu parles? Tu serais en train de demander d'aller exhumer mon père pour que je récupère une bague? De quoi est-ce que tu parles? C'est vraiment ce qu'ont dit les dieux. Les dieux sont sages. Cette bague ne peut être retrouvée que dans la forêt des morts vivants. Et il faut 7 braves filles, des hommes nobles de cette contrée, pour se lancer dans ce voyage, pour retrouver la bague. L'histoire se répète encore. Mon défunt père m'avait parlé de la même chose. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que ça arrivera à mon époque. Mais les dieux rédiqués, le seul oracle des dieux que pouvons-nous faire, les dieux t'ont-ils dit qui sont ces filles? Qui sont-elles? Oh mon beladenzie! Pipu na biengela tige na gembela bifo nobody! Nobody ko fiengule! Odo woli ko zenu fie! Betty, la fille de Noah. C'est la chef des filles. Suivie par Stéphanie. J'espère que tu me tresses bien. Bien sûr que oui. Très bien. Il faut que ce soit beau. C'est vraiment très beau. Ne t'inquiète pas. J'espère. Ne t'en fais pas. Tu vas adorer. Ah. Oui, c'est très beau. Très bien. Je dois être super belle. Oui. Hein? Ma fille? Oui. Et les autres sont... Ezine, la fille d'Améti. Iwoma, l'orpheline. La fille du défunt Ichikata. Chinwe. La fille du défunt Ichioka. Ebere. La fille le ruisseau d'Ozundo. Est si calme, l'eau est très propre. Attends, attends que je puise. Aïe, mon dos. Et Ouré. La fille de Ichie Ukbai.
Voilà les filles. Choisies par les dieux eux-mêmes. Pour se lancer dans ce grand voyage. Préparez-les. En 3 jours. Car je les fortifierai. Pour le voyage à venir. Nous le ferons. Nous le ferons. Nous allons les préparer. Fille ne partira pas. Les anciens. Une fois de plus, je vous salue. Nous avons tous entendu ce qu'a dit l'oracle des dieux. Nous devons préparer ces filles pour l'énorme tâche à venir, aussitôt que possible. Une dernière chose. Quiconque ramènera la bague qui peut rendre ma mère à l'état normal sera récompensé grandement. Et sa famille ne sera pas en reste. Ils ne connaîtront plus jamais la souffrance. Ils seront une part de ma famille. J'ai parlé. C'est d'accord. Nous le ferons. Non. Il faut bien réfléchir. Ça, jamais. Il faut bien réfléchir. Ce voyage est trop dangereux. Très dangereux. Oui, laisse-moi te dire. Je ne laisserai pas ma fille, ma seule fille, aller mourir dans cette forêt. Jamais. Etchi Obiezé, que dis-tu là? Etchi, des pareilles choses ne devraient pas sortir de ta bouche. Souviens-toi que nous sommes tous concernés. Même la fille de Noahou part avec elle. Qu'est-ce que tu dis là? Oui, je sais. Mais comment penses-tu que je laisserai ma propre fille aller mourir pour quelque chose qu'elle ne sait pas? Bah non, je refuse. Non, jamais. Ichi, laisse-moi te poser une question. Ok. Supposons que ta fille fasse un voyage et revienne avec la bague. Que se passera-t-il? Souviens-toi de la promesse que le prince nous a faite. Ichi, pourquoi tu vois seulement le côté positif? Au moins une fois, imagine un peu le côté négatif. Écoute, j'ai un pressentiment que si ma fille va, elle ne retournera plus. Tu fais à quoi? Chief, ne dis pas les choses pareilles. Ferme ta bouche. Comment peux-tu dire une chose pareille? Etchi, ta fille doit revenir. Elle reviendra. Etchi, écoute mon conseil. Rentre à la maison. Va préparer ta fille, comme la prêtresse l'a dit. Et laisse le reste aux dieux. Es-tu sûr? J'en suis sûr. Les dieux s'occuperont de tout. Elle a dit qu'ils les fortifieront. Allons-y. Ok. Ah, pardon, ne dis pas des choses pareilles. Elle reviendra. J'ai la foi. Oh non. Oui, et Joe, ouais. N'oublie pas que lorsque l'enfant passe son temps à jouer avec le serpent, pensant que le serpent est une corde, l'enfant sera mordu par le serpent. N'oublie pas également que la douleur et l'angoisse sont tous les deux les conséquences de la folie. Et moi, je ne veux pas être cet homme stupide. Ma fille n'ira pas à cette quête. Et j'ai dit ma part. Oh, bye. Et j'aimerais aussi te rappeler que, bien qu'on dise que la chute d'une feuille verte est un avertissement aux feuilles sèches, n'oublie pas que les lâches meurent plusieurs fois avant le jour de leur mort. Oui. Écoute, une personne de ton calibre doit avoir ceci en tête, que chaque fois que un guerrier, un héros, se prépare pour la guerre, il se fiche de savoir que ses ennemis se préparent également pour la même guerre. Oh oui. Et encore, la grande prêtresse, Mbelede, la puissante prêtresse, nous a rassuré qu'elle va les fortifier pour le voyage. Donc il n'y a pas matière à s'inquiéter. Rien à craindre du tout. Oh non,
Oui, je maintiens mon point de vue. Okpai, un homme de ton calibre, un notable très respecté dans ce royaume, qui raisonne de cette manière, je suis surpris. Tu raisonnes comme un étranger. Onowu, c'est maintenant moi qui parle comme un parfait inconnu, n'est-ce pas? C'est tout ce que tu trouves à me dire à moi? Okpai, je n'ai jamais dit que tu étais un étranger. J'ai dit, tu raisonnes comme un étranger. De toute façon, le truc, c'est que, sois un homme. Sois un homme. Nous sommes tous concernés. Donc, puissions-nous aller de l'avant. Et, n'oublie pas, la reine doit être guérie. Allons-y. Nai. Oui? Je n'arrive pas à croire que toi, toi, plus que quiconque, aies consenti à une telle chose. Oui. Comment as-tu pu laisser notre fille aller rejoindre dans la quête? Comment? Oh, je n'ai absolument rien suggéré. Les dieux l'ont choisi. Tu aurais pu faire objection. Hein? Je suis l'Onowu de ce royaume, le premier ministre, le faiseur de roi. Et en tant que bon leader, je dois diriger par l'exemple. Naturellement, les héros dirigent par exemple. Tu comprends ça? C'est d'accord. Mais désolé de te décevoir. Crois-moi, ma fille n'ira nulle part. Ah, maman, je vais partir où? Je vais partir. Les dieux m'ont choisi et je suis très sûre qu'ils vont me guider et me protéger. Oh, mon adorable fée. Ma lionne, comment est-ce que tu as été au courant de tout ceci? Ah, papa, la nouvelle est dans tout le village. Oh. Toutes les populations d'Améti sont informées. Alors? Betty? Oui, maman. Tu n'iras nulle part. Maman? De grâce, j'ai dit que tu n'iras nulle part. Ne m'appelle plus maman. Maman. Je t'en prie. Maman. Je te supplie au nom de Dieu, tu n'iras nulle part. Ma décision est déjà prise. Je vais aller dans cette forêt. Ça, c'est ma fille qui est en train de parler. Ça, c'est ma fille. Oui. Écoute, ma fille. Tu sais, ta sœur et toi est tout ce que j'ai. S'il te plaît, j'ai pas envie de te perdre. Pardon, je te supplie pour l'amour de Dieu. Ne va pas avec elle. Hein? Maman, tu ne peux pas me faire changer d'avis. J'irai et je reviendrai. Il ne va rien m'arriver. Tu continues de t'entêter? Oui. Et elle le dit encore qu'elle ira bien dans cette forêt et elle va revenir. Ça, c'est ma lionne. La lionne de cette maison. Oui, papa. Oh, oui. Aussi brave que son père. Oui, papa. Oui. Papa, tu es vraiment de bon. Oui, oh. Oh. Merci pour tout le soutien. En effet, nous revenons tout juste du marché. Laisse-moi aller te faire ton plat. Oui, ça, c'est très bien. Merci beaucoup pour votre compréhension. Maman. Oui. D'autres rois. Merci beaucoup de comprendre le lion de la maison. Oui, le lion de la maison. Donc, je t'écoute maintenant. Oh, tu as fini? Mba. Non, ma sœur, ce n'est pas possible. Ma sœur, ce n'est pas possible. Tu es la seule femme dans ce village. On te choisit pourquoi? Oui. Mais pourquoi tu es choisie pour t'embarquer dans ce genre de mission? Ce n'est pas possible. Ma sœur ne peut pas s'embarquer dans cette mission suicidaire. Non, je refuse. Non. On m'a amené. Qu'est-ce qui est mortel? Qu'est-ce qui la rend mortelle? C'est quoi ton affaire dans le palais? Tu as quel lien avec le prince? Le prince et la reine étaient amoureux. Ils sont allés faire un pacte de sang. Tu as quoi y voir dans les engagements? Oma, alors, va leur dire que ce n'est pas possible. Comme ce n'est que moi que ça concerne, c'est possible pour moi. Ma sœur, j'ai dit que tu ne partiras pas dans cette forêt. En plus de ça, je m'en vais voir Onowu. Allez où? Moi, je pars seulement. Comme tu me vois là maintenant, je ne ressemble pas à la forêt pour toi. Tu n'es pas la forêt, tu es Tinoué. Je ne veux pas te voir dans cette forêt, je l'ai dit. Tu penses que comme tu as la barbe remplie sur ta bouche,
Tu es devenu un homme. Hein? Maintenant, tu grondes. Tu pars, tu grondes, n'est-ce pas? Parce que tu as une moustache, tu penses que tu es intelligent. Tu aimes la pauvreté. Tu as un pacte avec la pauvreté. Oui, nous sommes ensemble. Toi et moi sommes restés seuls dans cette vie. Hein? Pas de papa, pas de maman. Sans père, sans mère, sans rien du tout. Rien, rien chez nous n'est utile. Une opportunité se présente, que je parte et que je revienne. Et je vais me marier avec le prince et devenir la reine. Diriger tout le palais. Et toi, tu vas juste que je vais aller mourir, que je refuse. Ta destinée, c'est de rester pauvre. Ma soeur, comme tu refuses de m'écouter, d'ailleurs, je m'en fiche de Igwe. Espèce d'égoïste. Moi, j'ai des droits sur toi. Je t'ai dit, tu n'y vas pas. Ton futur ne sera jamais brillant. Hein? Dans ce genre de maison, ton futur n'est pas brillant. Ça ne sert à rien d'allumer la lumière. Ma soeur, moi, je vais aller dire au no. Ton futur n'est pas brillant. Tu n'es pas intelligent. Depuis que je suis comme ça, depuis combien d'années, aucun homme... Excusez-moi, personne. Je marche partout, mais aucun homme ne me regarde. Maintenant, quand le destin veut me mettre dans les bras du prince, un joli garçon... Toi, là, si tu essayes de m'arrêter, tu vas mourir. Il est trop beau. Il est trop frais. Si le prince était un fruit, il serait une pastèque dont l'intérieur est rouge. Un garde baraqué. Regarde, regarde, je nous imagine tous les deux. Et on dit que si je pars dans la forêt que je revienne, il est à moi. Tu dis non? Tu as besoin de prière. Regarde, 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 mon mari. Oh, il est trop beau. On va souvent aller en boîte ensemble. On va nous admirer partout. Ma soeur, tu n'as pas besoin d'aller dans cette forêt maléfique pour avoir tout ça. Non. Même s'il faille que j'aille rester avec les esprits, vivre dans une tombe pour avoir le prince, moi, Tu vois cette forêt? Je ferai n'importe quoi pour ça. Oui. Tu n'y entreras pas. Je vais entrer avec tout mon corps. J'entrerai partout pour lui. J'ai besoin de voir No. J'y vais le voir. Allez où? Tu ne vas nulle part. Si tu me gâtes cette mission, je vais te tuer. Je vais me mettre nu et te maudire. Sœurette. Je vais me mettre nu et te maudire. Ma fille, et si quelque chose de mal t'arrivait? Ma fille, je n'ai pas oublié ça. Je te crois, ma fille. C'est bon. Merci. Dépêche-toi. Samuel, mon fils. Oh non. La personne dont nous sommes en train de parler ici, c'est la reine de notre cher royaume. Et si nous, son peuple, nous ne pouvons pas l'aider, qui le fera? Voilà les choses que j'étais en train de dire à ma femme, qui était plus en colère que toi avant que tu ne viennes. Samuel, j'aimerais que tu parles à ta sœur. Conseille-la qu'elle rejoigne les autres dans la quête de la bague. J'ai également conseillé ma fille. Non, c'est difficile. Tu as une autre fille.
Imaginez un peu, c'est ma seule sœur. Ma seule sœur. Hey. Mais, j'ai compris tout ce que tu as dit. C'est d'accord. Je vais réfléchir par rapport. Laisse-moi un peu de temps pour ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est d'accord mon fils. J'aimerais prendre congé de vous. D'accord, Samuel. Iwoma, tu sais que tu es orpheline? Tu le sais? Je ne peux pas te laisser te lancer dans ce voyage. Mon amour, j'ai été choisie par les dieux. Personne d'autre ne l'a fait. Pitié, sois compréhensif, je t'en prie. Iwoma, écoute-moi. Tu es la seule survivante de ta lignée. Je sais. Je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas te laisser aller dans cette forêt. Comprends-moi. Qu'ils choisissent quelqu'un d'autre, de grâce. Non, s'il te plaît. Je sais que je suis une orpheline, inutile de me le rappeler. S'il te plaît. Laisse-moi y aller, je t'en prie. Et n'oublie pas que j'y vais pas toute seule. Non. S'il te plaît. Iwoma, on a cheminé ensemble. Je sais. Je ne veux pas te perdre. Pas maintenant, surtout pas maintenant, s'il te plaît. Mon amour, tu ne vas pas me perdre. De grâce, laisse-moi partir. Et je n'y vais pas à cause du prince. Crois-moi, j'y vais parce que je veux sauver la vie de la reine, s'il te plaît. Je t'en prie, mon amour. Iwoma. Et si tu ne revenais pas? Je reviendrai. Promis, je reviendrai forcément pour toi. S'il te plaît, pitié, il ne m'arrivera rien. L'esprit de mes parents sera avec moi. J'ai juste besoin de ta permission. Je t'en prie. Je ne peux pas faire ça sans toi. S'il te plaît, pitié, mon amour, pitié. Mon amour, je t'en supplie, juste donne-moi ta bénédiction, s'il te plaît. Calme-toi, c'est moi. Tu m'as effrayée. Désolée. Tu viens juste d'activer ma batterie interne. Désolée. Mais tu m'as l'air inquiète. C'est quoi le problème? Il y a des problèmes. Oya, assois-toi. Assois-toi. Hein? Je suis là. Écoute, je suis très inquiète. C'est quoi le problème, non? Qu'est-ce qu'il y a? De ce côté, je suis contente. De l'autre côté, je suis triste. Et le pire dans tout ça, c'est que mon frère n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Ils m'ont choisi pour la quête. Quoi? Toi? Attends. De toutes les filles, de toutes les grosses pointures qu'il y a dans ce village, ils t'ont choisi toi. Ma chère amie, on a fermé tes sens comme une bouteille. De toutes les grosses pointures, qui est plus grosse que moi ici? Qui me dépasse dans ce village? Pourquoi ne pas me choisir? Ok, je ne suis pas en forme pour y aller. C'est clair. Il y a d'autres filles dans ce village qui sont physiquement en forme. Tingwe, physiquement en forme. Ok, donc moi je suis physiquement handicapée. Hein? Quand tu me regardes, je ne suis pas digne d'y aller. Écoute, Tingwe, c'est pas ce que je voulais dire. Alors tu voulais dire quoi? Mon ami, ce que j'essaye de te dire va au-delà du physique. Écoute, ma grand-mère m'a raconté une histoire avant sa mort. Au sujet des voyages comme ceci. Et elle m'a fait comprendre que les personnes qui se lancent dans ce voyage sont des personnes-là qui sont spirituellement douées. J'espère que tu comprends.
J'ai des dons spirituels. J'en ai. J'ai des dons spirituels. Mon ami, je suis confuse. Là maintenant, mon cerveau est à bout. Je ne sais pas. Donc je n'y vais plus. C'est ce que je te dis. Essaie juste de considérer ta vie. Considère ta vie, pense à ton frère. Hé, hey, si ce n'est que ma vie, ah, ce n'est rien du tout. Mm-hmm. Qu'est-ce que Lonowo a dit? Hé, hey. Pourquoi ta face est comme ça? Hé. Hey. Lonowo a dit que je ne devrais pas t'empêcher de partir. Oh, tu vois? Il a dit que je devrais t'encourager à partir avec les autres mm-hmm. filles, car elles ont été aussi choisies. Mm-hmm. Tu vois? Tu ne dois pas m'arrêter. Onowo a dit que tu ne dois pas m'arrêter. Donc ne m'arrête pas. Regarde, regarde très bien le voyage que tu veux que je rate. Hein? Tu vois? Les dieux sont sages. Tu es vraiment inconsciente. Tu ne sais pas ce que tu te fais à toi-même. Pas du tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une vie ici. Ça, c'est une vie. Hein? Un jeune garçon comme toi regarde ta face. Ta face a déjà les rides. C'est la pauvreté. Ce sont les signes. Je ne suis pas grasse. Je gonfle seulement. C'est la pauvreté. Un jeune garçon comme toi regarde les rides sur ta face. Avec une barbe toute sèche. Si tu vois ces gars qui ont la barbe fraîche comme le... Je comme oui, le arrête, prince, il y a arrête, de arrête. Tais-toi là-bas. Un jour, tu vas me ventiler au palais. Écoute, Chiwi. Tu verras. Dis oui. Mmh. Tu sais qu'il ne reste que toi et ton frère. Mmh. Pourquoi n'essayes-tu pas de considérer ta vie et rester pour lui? Restez pour nous. Non, 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 je ne veux pas rester pour vous. Je veux rester pour la mort. Oui. Oui. Ok. Excuse-moi. Heidi, tu as des vues sur le prince. Tu as des vues sur le prince. Hmm? Ça te fait mal que les dieux ne t'aient pas choisi, n'est-ce pas? Écoute, Chiwi, mm-hmm. je suggère que tu dormes en y repensant. Je ne dors pas. Dors en y repensant. Je ne dors pas. Réfléchis. Je me réveille. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont clairs. Je m'en vais. Mes yeux sont verts. Je m'en, je m'en vais. Je vais aller dans cette forêt. Ah, je me bats pour la mort. Regardez ma vie. Aucun homme dans ma vie. Le seul homme avec lequel Dieu veut me bénir. Tu penses que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait. Ha! Dieu, merci beaucoup. Mon prince sucré. Ha! Regardez ce qu'ils veulent que je rate. Un gars frais. Regardez sa barbe. Avec de l'huile dessus. Je suis déjà partie. Forêt, me voilà. Tu ne dors pas? Quel père peut dormir quand sa maison est en feu? Je ne comprends rien, papa. Attends un peu. Papa, ne me dis pas que tu penses encore à ce voyage qu'on va faire. Quoi d'autre pourrait m'empêcher de dormir? Si ce n'est ça. Papa, on en a déjà discuté et on s'est entendu que j'y aille. Mais pourquoi penses-tu encore à ça? Honnêtement, ma fille, mon cœur est en pleine angoisse. Si j'avais le choix, je te laisserais partir. Je ne permettrais pas de te perdre. Papa, tu ne me perdras pas. Tu ne me perdras pas, papa. Je connais tes craintes. Je sais que je suis ton seul enfant et je sais que je suis la seule chose que tu as dans ce monde. Papa, il ne m'arrivera rien. Crois-moi, je reviendrai saine et sauve. Rien ne m'arrivera. Tu es sûre? Papa, j'en suis très sûre. Je reviendrai et tu seras fière de moi. S'il te plaît, papa, cesse de trop réfléchir. N'oublie pas que tu es hyper tendue. Ok? Ok. Il se fait tard. Allons-nous coucher. Allons-nous coucher. D'accord. Allons-y. Allons-y. Allons-y.
Seigneur. L'habit est vieux, on dirait un chiffon. Quoi? On a utilisé ce caleçon pour aller en guerre, je ne comprends pas. Ou alors il y a des rats dans les jambes de mon frère. Entre ses jambes. Beau gosse. Comment tu vas? Comment ça va? Regarde ce que tu portes. Tu fais quoi avec mon caleçon? Hein? Et tu fais quoi avec mon caleçon? Regarde. Beau gosse. Mon caleçon te doit quelque chose? À partir d'ici, je peux dire bye à quelqu'un. Bon voyage. Pardon, cache ce truc quand même. Cours ce truc. Tu n'es pas quand même obligé de montrer ça à tout le monde. Hein? Tu élèves des rats? Ou alors tu partages ton caleçon? Serait j'avais un bunoku. Hein? Tu ne dirais pas toutes ces choses. Quel bunoko? Ce caleçon est... Quel bunoko? Le petit truc là? Obana. Ce truc n'est pas petit? Devant la famille de nos amis. Pardon. S'il te plaît, garde ça. D'ici, je peux voir Idioma. Regarde. Serait. Toi aussi, comment tu peux montrer ça aux gens? Ah! À chaque fois, on va te montrer la bande. Tu vas crâner, te vanter, alors que tu portes ce genre de truc. Ok, tu veux donc dire à tout le monde? Ce... Hein? Tu vois ce caleçon? Il n'est pas déchiré, il est déchiqueté. Oh non, Mao. Oh, c'est pas grave, tu peux toujours coudre ça, non? Je suis un grand homme, hein? Je suis un grand homme. Tu peux juste coudre ici, là, et tout ira bien. Que la paix soit sur cette maison. Yeah. Que la paix soit aussi sur vous. Ogini? Tu dois être Tinoué. Monsieur le garde, bienvenue. Ta présence est requise au palais, immédiatement. Maragini, pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout va bien. Eh. Donc, je... Vous voyez le caleçon de mon frère? Il m'a demandé de coudre ça. Le gros trou là, je dois le fermer. Ne t'inquiète pas. Suis-le, je vais rester pour ça. Hein? Je ne peux pas attendre. On y va? J'espère que vous n'irez rien lui faire là-bas, hein. N'a pas moyen. Il menace qui? Et si tu entends ma voix, reste au portail et viens me sauver. Ne t'en fais pas, je ne serai pas très loin. On y va? Ok. Si quelque chose arrive à ma sœur, vous répondrez de vos actes. Après, je ne veux pas entendre d'histoire. Que rien n'arrive à ma sœur, vous êtes prévenue. Vous ne souriez pas? On y va? Souriez un peu pour que je n'ai plus peur. C'est quoi avec les « on y va, on y va »? On y va. Sœurette, tu peux partir avec eux. Ne vous fâchez pas. Laissez-moi aider mon frère avec son caleçon. Je couds et on part. On y va. Ne t'inquiète pas. Vas-y, ça va aller. Je vais me débrouiller, tu peux partir. Hein? Souriez alors. Avance. Il faut coudre ça. T'inquiète. Le trou là. Vas-y, d'accord. Ne t'inquiète pas. Souris alors. Hey. Ce truc est vraiment très vieux. Ah. Oh. Je commence par où? Steph. Stéphanie. Papa. Qui est-il? Ta présence est demandée au palais. Mais pourquoi? Je croyais que demain était le jour de la fortification. Tu finiras par savoir pourquoi on te demande au palais. On y va. Exactement, ma fille. Suis-le au palais. Tu sauras pourquoi. D'accord, papa, je vais mettre quelque chose de mieux. J'aimerais vous remercier d'avoir répondu tout autant que vous êtes à cet appel urgent. Comme vous le savez déjà, le voyage sur lequel vous vous lancez, c'est pour sauver une vie. Pas la vie de n'importe qui, la vie de votre reine. Ma mère. Alors, je vais faire une promesse maintenant. Tu rapporteras la bague qui sauvera la vie de ma mère. Deviendra automatiquement la reine.
Et ça fera de la personne ma future épouse. La vie de ma mère est vraiment précieuse à mes yeux. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-la. Et vous ferez de moi l'homme le plus heureux de la Terre. Nous la sauverons. Je ferai mon possible. Mon prince, ne vous en faites plus. Nous allons la sauver. Oui, nous allons la sauver. Alors, des questions? Non, mon prince. Oui, mon prince. Mon prince, de grâce, pouvez-vous me faire une faveur? Vas-y. Merci, mon prince. Mon prince, s'il vous plaît, puis-je moi... Vas-y. Pouvons-nous au moins voir la reine avant de partir? Oui, oui. Ah oui. C'est vrai, qu'on aille au moins voir ma belle-mère qui est malade. Chichinwe, ressaisis-toi. S'il vous plaît, mon prince, faites-le pour moi. Quoi? C'en est assez. Continue. Vous voulez toutes voir la reine, c'est bien cela? Oui, mon prince. Excuse-moi. Très bien. Venez avec moi. D'accord, mon prince. Beau gosse. Et s'il t'entend? Et qu'est-ce qu'il y a? Reste tranquille. Tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? N'importe quoi. Jinwei. Hi. Beau garçon. Je suis sûr qu'aucune de vous n'a jamais vu la reine dans cet état. Comme vous pouvez le voir, elle est dans un état critique, presque à la lisière de la mort. Il n'y a pas d'endroit où je ne l'ai pas emmené. Toute ma peine, mon stress, sans résultat. Et je voudrais que vous compreniez que ceci est au-delà. Du physique. Alors je vous demande tout autant que vous êtes, s'il vous plaît,
Aidez-moi à sauver ma mère. Aidez-moi à sauver la reine. Mon prince, je vous le promets. La reine guérira. Elle va survivre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle... pour qu'elle guérisse. Nous le promettons. Elle va survivre. Merci à vous. Merci. Ifyoma, comment toutes ces filles peuvent être contentes d'aller en mission alors qu'elles ont des hommes dans leur vie? Vraiment? Vraiment de quoi? Tu ne viens pas? Tu n'as pas d'homme dans ta vie? Bien, Chinwe. Et combien de fois dois-je te le répéter? Je ne m'embarque pas dans ce voyage à cause du prince. Alors pourquoi est-ce que tu t'embarques? Pourquoi est-ce que tu t'embarques? J'y vais là-bas seulement parce que je veux sauver la vie de la reine. Batterie sauveuse de vie. Tu es la batterie de vie. Non. Tu es la batterie de la reine. Laisse-moi... Je n'aime pas ça. Tais-toi. Laisse-moi te demander. Ifyoma. Si le prince n'était pas inclus dans le lot, tu vois, pour le mariage, tu allais partir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu connais très bien mon mec. Je ne vais pas là-bas à cause du prince. J'aime mon propre mec. Ce gars est un homme. Tu appelles ce gars un homme? Si on demande aux hommes de venir, ce gars va aussi venir. Écoute, ce genre de voyage, c'est pour les femmes comme moi qui n'ont pas d'homme. Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Mon homme me suffit amplement. Alors reste chez toi. S'il te suffit, reste chez toi. Reste à la maison. J'ai été choisie par les dieux. Chinwe. Pourquoi tu n'as pas dit non? Ta bouche ne sait pas dire non? Hein? On te choisit et tu dis non. Ok. Tu as des vues sur le prince. Le prince ne m'intéresse pas. Comme tu me vois là, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Mais c'est vrai que ton mec, c'est mon genre aussi. Chinwe. Hein? C'est mon genre, je te l'ai laissé. tu comprends? Mais maintenant, les dieux veulent plutôt me bénir avec le prince. Mais je vois que tu as des vues sur lui. Non. Non, je t'assure. Regarde-moi. Dans le blanc des yeux. Tu n'aimes pas le prince? Je ne l'aime pas. Je ne le hais pas non plus. Regarde, tu es confuse. Non, j'aime mon âme. Non, tu ne l'aimes pas. Non, tu ne le hais pas. Tu l'aimerais. Tu l'aimerais seulement. Mais honnêtement, je ne vais pas à cause du prince. Tu parles pour moi, n'est-ce pas? À cause de ta maman. Si c'était la maman de ton mec, à qui on devait sauver la vie, tu allais y aller? Chai, Chinwe, tu ne peux pas être sérieuse pour une fois. Écoute, finalement, hein, le prince sera à moi. Il n'y a pas de souci. Tu peux le garder, ton prince. Je me contente de ce que j'ai. Alors reste à la maison. C'est parce que ton mec n'a pas d'argent? Écoute, il est jaune. Hein? Quand un homme n'a pas d'argent, sa couleur est jaune. Quand il a l'argent, il est clair. Ne t'en fais pas. Et finalement... Ah, mon prince est si beau. Tu n'attends même pas jusqu'à là. J'ai déjà gagné. Pardon, prends ton prince. Je n'ai même pas besoin de lui. Mon prince yaourt. Ma pastèque. Pardon, Chinwe. Tu veux venir et gâcher ma destinée? Ma chérie, ton copain est beau, c'est vrai, mais j'ai un autre choix. J'ai mon choix. Hi. Si je trouve mon prince en train de dormir. Hi. J'ai gagné. Moi, je vais dans cette forêt pour l'amour. N'importe quoi pour l'amour. Hi. Je m'en vais. On va se retrouver dans la forêt. Tu pars parce que tu veux sauver la vie de la reine. Menteuse! Elle veut gâcher ma destinée. Je te montre. Voilà la démarche que je vais adopter quand je vais enfin devenir la reine de ce royaume. Regarde, regarde-moi. Désolée. Hey, Steph. Quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Désolée. Désolée, je ne voulais pas me moquer. Laisse-moi te dire un truc. Quand je deviendrai la reine de ce royaume, ma démarche doit changer.
La tienne ne changera pas si tu ne finis pas par revenir avec la bague. Hein? Je sais que c'est même impossible. Ma démarche ne va pas changer. Je vais continuer à marcher comme ça. Mbakwao. Ah, Mbakwao, ta démarche doit changer. La mienne va changer automatiquement. Je te montre une autre démarche. Faut pas tomber, oh. Ne tombe pas. Ah, on apprend. Steph. Steph, tu n'es pas obligée de marcher. C'est quoi ça? Ce n'est pas bien, hein? Tu n'aimes pas ça? C'est quoi ça? Hein? Tu n'aimes pas ça? J'en ai une autre. Ah, maintenant, tu as bien. Tu vas te faire mal, oh. Je t'assure que je suis très contente. Ma démarche doit changer, oh, parce que j'ai vu ça dans mes rêves. Oh, comme ça tu... Hein? Attends un peu. Quand tu deviendras la reine, là tu pourras décider si tu veux monter, descendre, voyager, t'envoler même si tu veux. Je dois commencer à m'entraîner maintenant. J'ai commencé à m'entraîner. Mm-hmm. Pour que je maîtrise la démarche parfaite que je vais adopter. Steph. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Hein? Si tu continues comme ça, très bientôt tu marcheras avec une canne. Hein, promis, je marcherai comme ça. Évident que ce job de servante au palais que nous avons choisi nous empêche vraiment de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Beaucoup comme quoi? Nous ne sommes pas censés être parmi les filles qui ont été sélectionnées pour aller chercher la bague. Attends, tu as été sélectionnée? Laissez ce que je dis. On nous voit juste comme des servantes ordinaires. Comme de simples servantes. Ils se disent qu'on ne mérite pas mieux. Mieux? De quel mieux parles-tu? Je ne te comprends pas. N'as-tu pas entendu que le prince épousera la fille qui reviendra avec la bague? Écoute, si c'est pour ça que tu m'as amené ici dehors, je suis désolée, j'ai pas de temps à gaspiller pour ça. Amara! Amara, reviens ici! Amara! Fiche-moi le camp. Je vois que tu ne veux pas devenir la reine de ce village. Viens ici, Amara! Oh, tu veux dire que le prince de ce royaume a fait une telle offre? Maman! Il fallait voir la joie sur les visages des autres filles. Raconte. Surtout celle de Stéphanie, la fille de Masio Piese. Attends un peu. Stéphanie, la fille de Masio Piese? Oui, papa. Attends, tu es en train de me dire qu'Obiese a finalement permis à ses filles de vous rejoindre, malgré tout? Il l'avait d'abord refusé. Bien sûr qu'il l'a refusé. Je lui avais demandé d'accepter. Il a d'abord refusé. Hey, ma fille. En fait, je suis très contente d'entendre cette nouvelle. Donc finalement, ma propre fille deviendra bientôt la reine de ce royaume. On dirait que je suis en train de rêver. Maman, hey, je serai la reine de cette communauté. Amen, tu l'as dit, oh. Bien sûr, et pourquoi pas? Oui. Hey. Qui d'autre doit l'être? Wow. Si ce n'est pas ma chère et tendre fille. La fierté de nos roues. Yes. La lionne de sa majesté. Oui, papa. Oh, ma chérie, tu es déjà au palais. En oui, fait, maman. Tu as la bénédiction de ton père et la mienne également. Merci, maman. C'est ça, ma fille. Je te souhaite le meilleur. Amen, maman. Amen. Je suis vraiment très contente pour toi. Merci. Mmh.
Regarde-toi, regarde. Qu'est-ce que tu dis? J'aime cet œil. Si donc tu ne savais pas comment vous allez faire dans la chambre. Moi j'aime les hommes grands. Je vais cajoler mon mari comme ça. Je vais le chouchouter. Mais oui, attends. Es-tu sûre de vouloir partir avec Betty et les autres filles pour cette mission? Je ne comprends pas. Si je suis sûre, je suis sûre. Hein? À présent, mon nom c'est sûr. Je suis déjà partie depuis. Tu comprends? Je suis dans la forêt. Je suis déjà en mission. Écoute, mon esprit me dit que c'est moi qui vais sauver la reine. Eh ouais! La folie a commencé. Qu'est-ce qui est amusant ici? C'est amusant, ma chère. Toi, que je vois là, tu penses que tu vas sauver la reine? Même dans tes rêves les plus fous, tu sais que c'est impossible, non? Moi? Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Écoute, mon ami. La forêt des morts vivants n'est pas un endroit où des personnes comme toi peuvent y aller. Ou tu crois que c'est un lieu où on peut jouer Papa Golo? Les morts vivants, c'est pour les gens comme toi. Et c'est toi qui peux y aller. Ok. Tu veux gâcher ma destinée. Maintenant, tu veux gâcher ma destinée. Je pense. Écoute, ce ne sont pas tes bêtises qui vont m'arrêter. Comme je suis là, je suis déjà dans la forêt. Comme je suis là, je suis seule dans la forêt, en pleine mission. Donc, je vais me préparer. Je vais à la gym. Tu comprends? Écoute, attends. Je ne cherche pas à t'insulter là. J'essaie juste de te dire la vérité. Ferme ta bouche. Toi, tu es une mauvaise amie. Je vais aller sauver la vie de la reine. Avec ce corps, j'y suis habituée. Tu m'entends? À moi seule, je peux sauver le village. Tu ne savais pas? Ne me suis pas. Dégage! Je vais te suivre. Dégage! Je suis désolée, non? Tu vois ta vie? J'ai dit de dégager. J'ai dit que j'étais désolée. C'est ok. C'est bon, c'est qui? Qui est ok? Ne me suis pas. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Ne me suis pas. Je vais te suivre. C'est quand je vais te frapper là derrière que tu vas comprendre. Dégage! Je vais te suivre. Ce que je veux dire, c'est que la promesse que tu as faite à ces filles est très grave. Est-ce que j'aurais fait d'exagérer? Serais promettre d'épouser une femme pour sauver la vie de ma mère? Mais tu me parles de quoi? C'est juste ma façon à moi de les motiver un petit peu, peut-être, que je tiendrai cette promesse d'en épouser une. Tu veux dire que tu tiendras ta promesse? Bien sûr que je vais tenir ma promesse. Qu'y a-t-il de mal dans ça? Mon prince, tout cela est absolument absurde. Parmi ces filles, seulement deux sont gérables pour quelqu'un comme moi. Pour ne pas parler d'un prince comme toi. Il y en a une qui est comme un camion, comme un rond-point. Si jamais par hasard celle-là revenait avec une barbe, vas-tu toujours l'épouser? Bien sûr que je vais l'épouser. Une fille est capable de la sauver, qu'elle soit un camion, un rond-point ou quel que soit comment tu l'appelles. Si elle est capable de sauver la vie de ma mère, alors elle est capable d'être ma reine. Ma parole est sacrée. Je la tiendrai. Mon prince, tu as perdu la tête. Ok. Destinée. De mon vivant, j'accomplirai ma destinée. Et je serai libre. J'accomplirai ma destinée. Cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho! Hey! Destinée! De mon vivant, j'accomplirai ma destinée. De mon vivant, j'accomplirai ma destinée. Et je serai libre. J'accomplirai ma destinée. Hey! Charrette. Destinée! De mon vivant, j'accomplirai ma destinée. Charrette. Et je serai libre. Chinois du rythme. Les choses vont bien. Pressé! Ah! Ma semblerait que tout va bien. Je vais réussir dans cette vie. Hey! Vu que tu es super contente, Sam, que s'est-il passé? C'est arrivé. Vas-y, dans raconte. Dans cette vie, je sais que je vais réussir. Amen. Oui. On va tous réussir. Ma destinée brille. Amen. J'ai réussi. Tous ceux qui ont dit que je ne réussirais pas, que Dieu les punisse en fonction de mon poids. On y a gâta pas fou. Cette personne ne peut pas survivre. Bonne nouvelle. Alors, que se passe-t-il? C'est arrivé. Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi, vas-y. Hey, le prince a parlé. Le prince a dit que n'importe qui entrera dans la forêt et verra la bague sera
automatiquement. Que la fille deviendra rouenne. Ah, ah. J'ai pété. Pourquoi tu attaches ta face? Serait le genre de fille qui aura la bague avec toi, hein? C'est évident qu'elles trouveront la bague avant toi. Évident de quoi? Quel genre de fille? Moi seule, je suis tous les genres de filles. Tous les genres de filles, je suis tout ça. Tu dis fille, c'est moi, tu dis femme, c'est moi. Je suis 7 en 1. Mes yeux brillent, comme ça, comme ça. Dès que j'entre là-bas, pia, je vais voir la bague. Hein? Je sais, ce n'est pas comme si je doutais de toi. Je sais, c'est évident que tu es une fille très forte. Mais mon problème est... J'ai cette impression... Quel pressentiment? Tu n'as aucun pressentiment. Un gars peut avoir des pressentiments. Tu n'as pas d'argent, mais tu as des pressentiments. Qui est-ce que tu veux impressionner? Moi? Je ne suis pas le seul à être pauvre dans cette maison. Tu es pauvre. C'est toi qui veux rester pauvre parce que moi, je vais laisser la pauvreté. Ha! Ma destinée est lourde. Comme toi-même. Mon prince pastèque, si je reviens... Hein? Le jour où je reviendrai, le genre de bisous que je lui ferai... Tu sais, je te connais. T'assure. Si tu pars dans cette forêt et que tu retrouves cette bague... Oh! Ne reviens plus, oh. Je te dis, ne reviens bague, plus. Moi, je l'ai déjà trouvée depuis. Si la bague ne me trouve pas, je j'ai la trouve. J'ai foi en toi, oh. Tu ne me connais pas. Moi qui vois même une aiguille au sol. Comme là maintenant, je vois ton être intérieur. Je vois ton esprit. Je te dis ton futur. Je ne t'ai rien demandé. Ne m'en parle pas. Tu ne réussiras pas dans la vie. Sang de Jésus. Je réussirai. Toi? Oui. Je ne suis pas sûre. De ce côté, c'est vraiment noir. Serait-ce cesse de me maudire, cesse de maudire. Tu. Hé, hey, tu veux m'écraser? Ah, mon pied. Ah. Mon frère, chéri. Eh? Tu vas bénir selon mon poids. Amen. Porte-moi. Ta nourriture à l'intérieur. Eh. Ah, ah, mon pied me fait mal. Aïe, pardon. Quel pied? Ton pied est doux? Tu n'as pas vu que le prince a des cuisses douces? Pardon, tu vas m'écraser le pied? Allez, laisse ça. Je n'ai même pas touché, mais à vue d'œil, je vois ça. Aïe! Je tiens mon bébé très fort. Ton repas à l'intérieur. Je veux manger le prince. Mon prince pastèque. Mon amour. Que fais-tu ici? Yoma, je te demande ce que tu fais ici. Mon amour, je t'en prie, arrête de me traiter comme ça. Aux dernières nouvelles, je suis ta future épouse, je suis ton amour. Ferme-la. T'as cessé d'être mon amour parce que tu veux te lancer dans la forêt des morts vivants à cause de ta grande ambition de devenir reine de ce royaume. Kizuna! Oui! Izuna, je ne mérite pas ça. Pourquoi est-ce que tu me traites de cette façon? Pour l'amour du ciel, j'ai été choisie par les dieux. Ce n'est pas du tout de ma faute. De plus, le prince vient de nous annoncer la nouvelle que l'une d'entre nous deviendra sa reine après notre voyage. Malgré cela, je ne vais pas pour le prince. J'y vais parce que je veux sauver la vie de la reine. Et mon amour, j'ai besoin que tu me soutiennes. S'il te plaît, ne me fais pas sa pitié. Et Oma? Oui. C'est terminé. Non. Ne t'approche plus de moi. Ne viens plus me chercher. Non. Je ne veux plus non, te non, voir. Non. C'est fini. Mon amour, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton soutien, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Je t'ai dit seule. Que c'est terminé. Bébé, mais, s'il te plaît. Tu vas me lâcher? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? S'il te plaît. Tu me suffis amplement et les dieux savent que je t'aime. S'il te plaît. S'il te plaît, mon amour, ne me fais pas ça. S'il te plaît, attends. Attends-moi, s'il te plaît, mon amour. Ça veut dire quoi, ça? Je t'ai dit que ce n'était pas fini. La seule raison pour laquelle je t'ai laissée au palais, c'est parce que le prince, mon futur mari,
y était. Mais maintenant, il n'est pas là. Bon, bagarrons. Quitte de mon chemin. Et qu'est-ce qui va se passer? Quitte de mon chemin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches les problèmes. Oh, vraiment? Et je vais te les donner en grosse quantité. Bagarrons. Tu cherches les problèmes. Bagarrons pour... Betty, tu me cherches les problèmes. J'ai dit bagarrons. Laisse-moi tranquille, idiote. Idiote. Tu croyais que tu voulais bagarrer? Viens bagarrer. Hein? Reviens, on bagarre. Ne t'en fais pas, je vais t'attraper. Je vais t'attraper, tu vas voir. Betty? Ah, pourquoi es-tu pressée? Tu n'as pas l'air contente. Tu es sûre que tu vas bien? Papa, ce n'est pas Stéphanie. Elle m'a poussée à bagarrer. Quoi? Viens. Ne t'inquiète pas, papa. Je lui ai donné coup pour coup. Bien. Bien. Betty? Oui, papa. Un lion n'engendre pas une chèvre. Ce n'est pas possible. Jamais. Tu es la fille d'un lion. Et tu devrais te comporter comme tel. Tout le temps. Tu comprends ça? Oui, papa. Et demain est ton jour de fortification. Et tu dois partir dans la forêt des morts vivants. Et tu dois revenir en vie avec la bague pour guérir la reine. Il sait. Mais il y a une chose dont tu dois vraiment te méfier. Surtout, ne permets à rien ni à personne de t'intimider ou te distraire de la mission. Tu as bien compris? Oui, papa. Bien. Je suis le Nohou de ce royaume. Et cela a toujours été mon rêve, de voir ma adorable fille être mariée au prince depuis longtemps. Et maintenant que l'opportunité s'est présentée d'elle-même, je voudrais que tu utilises cette opportunité de manière judicieuse. Tu comprends? Papa, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir. Le prince est à moi. Bien. J'aime bien ça. Ça, c'est ma fille qui est en train de parler. Oui, papa. Oui. Et une autre chose. Avant d'aller nous coucher ce soir, j'aimerais te parler de quelque chose. Je voudrais te donner des secrets sur les esprits. Et te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire afin de dominer les esprits. D'accord, papa. Merci, papa. La fille du lion. Papa. Papa. Oui. Tu as mangé? Ok. Eh bien, si tu apportes, je vais manger. Ok, je vais te chercher quelque chose à manger. D'accord. Oui, c'est ça même. Je l'espère aussi haut. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Ah. Ok. Vous avez demandé à me voir, mon prince. Oui, c'est vrai. J'étais très anxieux. Alors j'ai demandé à te rencontrer. Et si je peux savoir, qu'est-ce qui vous trouble, mon prince?
Benedetti. Oracle des dieux. Dites-moi, en toute honnêteté, dites-moi, ma mère survivra-t-elle? Bien sûr que oui. Si seulement les filles partent et reviennent avec la bague, comme ordonné. Quoi? Et si elles ne reviennent pas avec la bague, que se passera-t-il? Ça veut dire que votre mère n'atteindra pas le 8e jour. Ça n'arrivera pas! Tu ne peux pas te tenir ici et me dire que ma mère n'atteindra pas le 8e jour. Va faire ce que tu as promis de faire. Tu vas suivre ces filles et tu vas t'assurer qu'elles seront ici avec la bague. Ma mère ne saurait mourir. Mon prince, ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis qu'une messagère. Vas-y, dis-moi. Si ma mère venait à mourir, je n'en survivrai pas, elle doit vivre. Tu dois faire quelque chose, s'il te plaît. Demain, c'est le jour de fortification et le début du voyage. Ne vous inquiétez pas, mon prince. Les dieux savent ce qu'ils font. C'est ce que je ne cesse d'entendre. Les dieux savent ce qu'ils font. Les dieux savent ce qu'ils font. D'après ce que tu as dit plus tôt, cela voudrait-il dire que le voyage durera le temps de 7 jours? Personne ne le sait. Ça peut être moins. Ça dépend de quand elles trouveront la bague. Mais ça ne doit pas excéder 7 jours. Et que se passerait-il si ma mère mourait avant la fin de ces 7 jours? Parce que la nuit dernière, elle n'a pas fermé l'œil. Comme je vous l'ai déjà dit, son sort repose entre les mains des dieux. Mais vous devez faire de votre mieux pour veiller sur elle tout le temps. Excusez-moi, mon prince. Le voyage que vous êtes sur le point d'entreprendre est très difficile. Et il est censé durer 7 jours, comme vous le savez toutes. Les esprits et les mortels sont deux êtres différents. Et il faut une volonté de fer pour résister au pouvoir suggestif des esprits. Votre plus grande arme en ce qui concerne ce voyage doit être l'amour, le courage et l'unité. Ça signifie que vous devez tout être unis tout le temps. La feuille de raffia que vous avez, c'est pour vous protéger contre tout danger quand vous serez dans la forêt. N'hésitez pas à l'utiliser quand c'est nécessaire. La bague spéciale que vous cherchez vous sera révélée par les esprits. Ah oui. Les dieux sont sages.
Les dieux iront avec vous. Et l'esprit de nos ancêtres, qui protège tout le royaume d'Améthi, iront devant et derrière vous toutes. Et c'est... Stéphanie, ma fille, tu partiras et tu reviendras. Aucun mal ne t'arrivera. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Le plus important, n'oublie pas de les appliquer. Que le succès t'accompagne. Ceci s'applique à vous toutes. Soyez courageuses. N'oubliez surtout pas ce que l'on vous a appris. Que la victoire vous accompagne. Assez. C'est pour ça que j'ai défendu aux autres de venir. Parce que je sais qu'un moment pareil est plein d'émotions. Maintenant, écoutez-vous toutes. Écoutez très attentivement. Rien dans la forêt des morts vivants n'est réel. Vous pouvez y aller. Ça, c'est ma fille. Betty, tu seras le leader. Partez.
Ici, mes enfants. Mes enfants, ce chemin vous conduira à ce que vous cherchez. Arrête! Ce n'est pas ton père. Mais un esprit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit?
Ce n'est pas ton père. Tu ne vois pas ses yeux? Ses yeux ne sont pas normaux. Ton père est beau comme ça? Il est venu faire quoi dans la forêt? Auré, c'est moi ton père. Ne les écoute pas. C'est faux. Ce chemin vous conduira là où vous trouverez la bague. Mes enfants, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Ce chemin vous conduira à ce que vous cherchez. Allons par là. Et pourquoi nous devons aller par là? Parce que c'est le bon chemin. Je suis votre leader dans ce voyage. Donc vous toutes ne devez écouter que moi. Surtout toi, Betty. Et qui a fait de toi notre leader? Et en ce qui me concerne, moi, Betty, j'ai été nommée votre leader par Ezewa elle-même. Donc on va par là. Donc tout ça c'est un problème de leadership. Faisons alors des élections. Pardon, pouvons-nous arrêter avec ces querelles? Nous avons un long voyage devant nous. Allons-y. Par ici. Allons-y. Ce n'est pas ton père, c'est un esprit. Steph, maman, viens avec nous. Maman, on va où? Toute route est une route. Chiwi. Tu ne viens pas avec nous. Ce chemin. Papa aurait. Ah. Mais non. Tu mets de longues manches alors qu'il fait chaud. Et tu mets aussi des chaussures pour venir dans la forêt. Tu es même plus beau que dans la vraie vie. Imposteur. Je suis sage. Tu as échoué. Maman, de quel côté? Par ici. Ce n'est pas toi. Tu as laissé tes yeux à la maison. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux me reposer. Je suis fatiguée. Hein? Depuis qu'on cherche, on marche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Et tu as raison. Pardon, reposons-nous ici. Moi, je suis très fatiguée. Pardon. Continuez où? Je ne suis même pas d'accord avec toi. Sérieusement? Je ne serai jamais d'accord avec toi. Tu m'entends? Moi, je me repose. Écoutez, l'amour, c'est l'amour. Je ne suis pas venue mourir ici. Je suis fatiguée. Oui. Tu m'entends? On ne continuera rien du tout. On doit se reposer. Stéphanie, que ça soit la dernière fois que j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose et tu me contredis. Tu as compris? Sinon quoi? Sinon quoi, Betty? Boxe ses yeux. Tu vas me frapper? Tu veux me frapper? Oui, boxe ses yeux, oui. Si tu ne te respectes pas dans cette forêt, je vais t'aider à le faire. Tu veux me gifler? Betty, gifle-moi! Ça ne sert à rien de bagarrer. Moi, je veux me reposer. Pardon, reposons-nous. Chinoué, reposons-nous. Si tu veux faire un moi, Chinoué, je me repose déjà. Si vous voulez. Betty, reste loin de moi. Stéphanie, reste loin de moi. Betty. Reste loin de moi. Je n'en ai pas fini avec toi. Oh non.
Oui. Quelque chose me tracasse depuis que nos filles sont parties dans cette forêt. Oh bien, c'est quelle est cette chose qui te tracasse depuis que nos filles sont allées dans la forêt? Tu sais, la prêtresse n'a pas spécifié un endroit particulier où elles trouveront la bague. Quand elles y seront, ne crois-tu donc pas que ça fera errer nos enfants dans une direction dont elles ignorent? Eh bien, je le pense également. Mais n'oublie pas aussi que c'est une tâche. Et toi et moi savons ce qu'une tâche signifie. Zéro entreprise, zéro succès. Donc, laissons-les aller chercher la bague. Quiconque revient en vie avec la bague a des chances de se marier avec le prince. Et c'est tout. Très simple. Sincèrement, tu le crois vraiment? Pas que je le crois seulement. Je le sais aussi, Obiezé. D'accord, si tu le dis. Mais est-ce que tu es d'accord? T'es satisfait maintenant? Je le suis. Bien. Maintenant que tu es satisfait, laisse-moi te servir quelque chose. Tu es dans la maison de Nohou. Laisse-moi t'apporter quelque chose. Le Nohou en personne? Ebere. Ebere, qu'est-ce que tu fais? Ebere, arrête ce que tu fais là. Souviens-toi de ce que la prêtresse nous a dit. Rien dans cette forêt maléfique n'est réel. Ebere, on doit toutes se contenter de ce qu'on a. Quittons cet endroit. Oui. Ebere, es-tu sérieuse là? Bien. Pas de problème. Tu n'es plus un enfant, je ne peux pas te forcer. Tu viendras nous retrouver de l'autre côté. Elle méritait de mourir. Elle méritait de mourir. Elle méritait de mourir. Steph, je sais que nous ne sommes pas les meilleurs amis, ok? Mais pour le bien de ce voyage, vois-tu, mettons nos différences de côté. Ainsi, nous saurons que la chose la plus importante est de sauver notre reine. S'il te plaît. Tu as fini? De plus, les filles travaillons ensemble comme une équipe. Pour qu'on franchisse tout obstacle qui se mettra sur notre chemin. Tu as fini maintenant? Ok, oui, j'ai fini. Dégage de ma vue. Quoi? Dégage de ma vue. Ah ah, Steph. Peux-tu, s'il te plaît, l'écouter pour une fois? Iwoma. Encore un mot de toi et je te donnerai une leçon que tu n'oublieras jamais. Yeah. Ha. C'est bon, je... Dégage. J'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Ça va. On n'est pas venu ici se bagarrer. C'est le manque d'éducation qui vous dérange comme ça. Le manque d'éducation. Mais vous savez quoi? Ah! Mon prince pastèque me manque. Aïe!
Maman Izuma me manque tellement. Ferme ta bouche. Kezana me manque. Pourquoi tu es venue ici? Pourquoi tu es venue ici? Kezana me manque. Avec la bouche comme le rat. Et donc mon mec ne peut que me manquer. Maizena me manque. Regarde. Ils sont tous morts. Allez, viens, on y va. Chinwe, attends. S'il te plaît, rentrons au village. Chinwe, c'est ce qu'on va affronter tout le temps. Tu m'affrontes, je t'affronte. Oh, allez, on y va. Pourquoi tu me regardes? Chinwe, viens. Il est déjà mort, Chinwe, viens. Hiyo! Allons-y. Iwoma! Attendez. Iwoma! Attendez, s'il vous plaît. Vous avez entendu quelque chose? Vous n'avez rien entendu? Chinwe? J'ai entendu ton nom, mais je ne suis pas trop sûre. Mais j'ai entendu ton nom, entendu. C'est mon... Izuna. Izu quoi? C'est la voix d'Izuna. Tu es finalement devenue folle. Dans cette forêt maudite, que viendrait-il faire ici? On a eu des malentendus avant notre départ. Je crois qu'il est là pour moi. Izuna est venu pour toi. Il est venu te chercher dans cette forêt. C'est la forêt des amoureux. Chinwe, tu ne peux pas comprendre. Aucun homme, je dis bien aucun homme, ne m'a jamais fait me sentir comme Izuna. Me fait me sentir. Oui. Écoute, Iwoma, nous avons un long voyage à faire. Allons-y. Merci, maman. Non, s'il vous plaît. Tue tes sentiments. Viens-tu juste de me demander de tuer mes sentiments? Oui, tu dois les tuer. Et tu dis que je dois faire quoi? Tuer les sentiments que j'ai pour mon mec? Quel mec? Iwoma, nous sommes ici pour la bague et non pour Izuna. Et pour rien d'autre. Iwoma, ça ne peut pas être la voix d'Izuma. Ici, c'est la forêt maléfique, bon sang. Je connais la voix de mon homme. Hey. Ferme-la! C'est un homme? Ça, c'est le manque. C'est un Izuna. C'est le manque qui te dérange. Nous n'avons... Les filles, on n'a pas le temps pour ça. Allons-y. Ton mec ne peut pas venir en forêt. Il ne peut pas. D'accord, je viens. Oui, d'accord, je vous suis. On vient d'arriver, la première fois que tu entends, c'est la voix d'un homme. Chinwe, même toi. Aussitôt. Tu ne me fais même pas confiance. Croire quoi, ça c'est le manque. Ton tour arrive. C'est le manque qui te dérange. Pas de soucis. Si ça te démange, gratte avec les doigts. Enfant gâté. Moi qui suis sans homme depuis, je supporte. Tu ne sais pas que ça me manque aussi? Mais je préfère garder ça comme cadeau à mon prince. Tu entends la voix d'un homme, la forêt des amoureux. Iwoma! Il m'appelle à nouveau. Qui t'appelle? Izuna. Qui t'appelle? Izuna. Iwoma! Il m'appelle à nouveau. Arrêtez. J'entends à nouveau sa voix. Il m'appelle. Izuna! Qui t'appelle? Izuna! Qui t'appelle maintenant? Mon amour. Quel amour? Mon bébé. Tu es devenue folle, n'est-ce pas? Regarde mon homme. Quel mec? Il est venu pour moi. Il n'est pas venu, c'est un faux. C'est une arnaque, une grosse arnaque. Comment es-tu arrivée ici? Pourquoi es-tu là?
Je ne peux pas rester sans voir ton beau visage. Hé, ne l'écoute pas, c'est un mensonge. Tu me manques. Oh. Actuellement, je te protège dans cette forêt. Il te ment. Oh mon Dieu, tu entends ça? L'amour me rend aveugle. Eon. Mon bébé, je veux t'aimer. Parce que dans tes bras, je suis aveugle. Mon bébé, de toi je suis accro. Tu racontes quoi là? Et quand je suis dans tes bras, le temps s'arrête. Je ferai tout pour toi. Je suis dingue de toi. Yoma, écoutez, l'amour c'est une très belle chose, vous voyez? Yoma, viens dans mes bras et partons. S'il vous plaît, je m'en vais. Hey, stop! Il n'est pas réel. N'essaye même pas. Je ne comprends pas. Iwoma, ce n'est pas Izuna. Ça ne peut pas être Izuna. Cette forêt est maléfique. Fais attention. Iwoma, partons. Iwoma, ce n'est pas ton mec. N'oublie pas ce que la prêtresse nous a dit. Rien dans cette forêt maléfique n'est réel. Oh, je vois. Oh, c'est parce que ton petit ami n'est pas là pour toi, n'est-ce pas? Iwoma, viens à moi. Partons. Je vais copieusement te battre. Je vais te taper jusqu'à ce que tes sens reviennent. Hein? Pardon, dégagez de mon chemin. C'est quoi ces conneries que vous faites? Iwoma, partons, rejoins-moi. Je ne comprends pas. Oh. C'est quoi ces bêtises? Je dois la fermer. Parce que je vais aller voir mon homme qui est venu pour moi. Il est venu pour toi, papa. Écoutez, rien que cette chanson qu'il a chantée m'a convaincu qu'il est réel. Oui, et je n'ai besoin de consorcier pour savoir que c'est mon homme. Tu sais que c'est une forêt maudite? As-tu perdu la tête? C'est le manque qui te dérange. Ok. Tu sais que parfois le manque affecte le cerveau. Oh, d'accord. Il n'est pas réel. Il n'est pas réel. Allons-y. Il n'est pas réel. C'est ce que vous essayez de me dire depuis. Tu en as fait que perdre du temps. Enfin, comment tu sais? Allons-y. D'accord. C'est bon. On y va. On y va. Allez, allons-y. Vous aussi, si ce n'était que ça, vous auriez dû me le dire depuis. Non, ne fais pas ça. Je lui ai dit que c'était un esprit. Je lui ai dit, je l'ai prévenu. Je lui ai dit que c'était une arnaque. Je lui ai dit que c'était un esprit, que c'était une arnaque. Mais non, toi tu voulais toujours ton gars, tu voulais toujours ton gars. Maintenant il t'a tué. Yoma, voilà que tu es morte pour l'amour. Pas de soucis. Pas de soucis, ça fait moins une. J'ai espoir. Le prince sera à moi. Putain. Ça, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. J'espère qu'Iwoma va bien. J'espère qu'elle va bien. Aïe. J'espère qu'elle va bien. Écoutez. Pour dire vrai, vous voyez toute cette marche? Ça me fatigue déjà. Où est même d'abord le truc qu'on est venu chercher ici? Où est ce truc? Hein? Regardez maintenant. Iwoma est parti. Oh! Ah! Ça me fait mal. On est même venu faire quoi ici? Ça me fait mal jusqu'à l'os. C'est toi qui seras la prochaine. Tu seras la prochaine. Écoutez. Tu seras la prochaine. C'est arrivé, le mal est fait. Pleurer ne la ramènera pas. Ressaisissons-nous et continuons notre voyage. Oui, maman. Pour la toute première fois, les gens ont enfin ouvert leur bouche pour dire quelque chose de raisonnable dans toute leur misérable vie. Betty, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire?
Hein, Betty? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Stéphanie, ai-je prononcé ton nom? Ok. Betty, si tu prononces encore mon nom, je vais me fâcher. Stéphanie! Battez-vous! Stéphanie! Betty! Que vas-tu faire? Betty! Tu vas faire quoi? Betty! Déchaîne-toi! Betty, fais attention! Vas-y, déchaîne-toi, je t'attends! Betty, fais attention! Déchaîne-toi! Betty, fais attention! Maman, battez-vous! Tu ne peux rien faire! Tu me cherches les problèmes! Tu ne peux rien faire! Je peux te faire mal! Tu ne vas rien faire! Battez-vous! Les mauvais esprits viennent! Battez-vous, maman! Maman, battez-vous! Je vous salue, mon prince. Mon prince. Vous avez l'air troublé, mon prince. Est-ce que tout va bien? Fais bien attention à moi, Tapple. Est-ce que je te donne l'impression de bien me porter? Qu'y a-t-il, mon prince? Vous pouvez me faire confiance, Porto. Qu'y a-t-il? Temple. Ne t'en fais pas. Je trouverai une solution à cette situation. Tu peux retourner à ton poste de travail. Entendu, mon prince. S'il te plaît, mon amour. Et si tu ne revenais pas? Je reviendrai. Promis, je reviendrai. Je vais forcément revenir pour toi. Il ne m'arrivera rien. L'esprit de mes parents sera avec moi. J'ai juste besoin de ta bénédiction. S'il te plaît, je ne peux pas le faire sans toi. S'il te plaît, mon amour. Dieu de nos terres, Ameshi, protégez-la où qu'elle se trouve. Pitié. Mais je me demande, c'est même quel genre de bague qu'on cherche et qu'on ne voit pas. Hein? On a cherché partout et on n'a vu aucune bague. On va même trouver cette bague. Nous sommes déjà dans la forêt maléfique. On devra continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve la bague. Aussi longtemps qu'on pourra la chercher. Ah, qu'on se dépêche de la trouver. Quant à moi, le prince me manque. Il me manque beaucoup. Hey, c'est qui ça? Fermez vos bouches, fermez vos bouches, vite! Ce sont les enfants inoffensifs des esprits, fermez vos bouches, vite!
Ils ont disparu. On doit partir d'ici. Nous sommes en danger. On doit partir d'ici, sur le champ. À cause de ces enfants? Nous sommes en danger. Partons d'ici. Hey! Vous vous levez sans m'aider? Attendez! Vous êtes sérieuse? Tiens là. Hey! Ah! Hey! C'est quel genre de problème ça? Chiwe! Hey! Ah! Où sont-elles? Nawao, à cause de ces enfants, je me lève comme si... comme si c'était des dieux. Tout ça à cause de l'amour. Oracle des dieux! Je t'ai envoyé chercher et tu n'es pas venu! Pourquoi? Parce que je sais déjà ce que tu veux. Et la réponse n'est pas disponible. Je ne demande pas la réponse! Dis-moi simplement ce que je veux savoir. Y aura-t-il quelque chose que tu me cacherais? Rien, mon prince. Rien. Qu'est-ce qu'il en est des filles? Sont-elles encore en vie? Vas-y, réponds-moi! Elles sont sur la mission pour laquelle elles sont parties. Au moment opportun, on aura de leurs nouvelles. Au moment opportun? T'ai-je entendu dire? Au moment opportun? Ma mère est couchée dans un état critique à l'article de la mort. Et toi, je t'assois là et tu me dis au moment opportun. Il est évident que tu ne veux rien me dire. En particulier, ce que j'ai besoin de savoir. Temple. Oui, mon prince. Emmène-moi loin d'ici. Emmène-moi loin d'ici. Écoutez, les filles. Attendez d'abord, j'ai faim, hein? Arrêtons ce voyage, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut venir ici sans nourriture et sans eau? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Moi, j'ai faim. Si je savais, j'écoutais les conseils de mon ami Ijoma. Hein? Je ne serais pas venue. Chinwe, calme-toi, c'est la forêt maléfique. Chinwe, je te l'ai déjà dit. Supporte, on est dans la forêt maléfique. Qui parmi nous a pris autre chose depuis que nous sommes à Kurdo? Que je supporte quoi? Alors que la famine me tient, tu me demandes de supporter. Tu vois la famine? La famine n'a pas d'âge. Ça n'a pas de conscience. Tu ne vois pas mon poids? Tu n'as pas pitié de moi? Actuellement, tous mes vers se tordent dans mon ventre. Oh. Ma chère sœur, regarde. Hey. Je t'ai apporté à manger. Hey. Non, stop. Ma sœur, frère. Chioué, c'est moi. Non. C'est moi. Hey. Non, ce n'est pas Samuel, ton frère. Ce n'est pas Samuel. Mon frère chéri. Voici ton repas, viens prendre. J'arrive. Non, Chinwe. Reste là. Je te dis, c'est moi, Samuel. Viens prendre ton repas. Non, ce n'est pas Samuel. Chinwe, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas ton frère, non, Samuel. Non, ce n'est pas Samuel. Laisse-moi te prouver que ce n'est pas lui. C'est du couscous. Viens. C'est du couscous. Viens. Avec de la viande. Chinwe. Hey. Ah. Tu vois, je te l'avais dit. Ce n'est pas ton frère. Je te l'avais dit. Les filles, allons-y. Il fallait d'abord prendre la nourriture, non? Avançons, allons-y. Hein? Il fallait d'abord prendre la nourriture. Oh. Moi, j'ai faim.
espérer. Ah! Chinwe, je vous cherchais, les filles. Uyoma, ah, c'est bien toi? Oui, je vous ai apporté de l'eau. Je suis sûre que vous aviez très soif. Et surtout toi, Chinwe. Alors, je vous ai apporté de l'eau. Non, je ne suis pas morte. Regardez-moi, je suis là. Elle a l'air réelle. C'est moi, je ne suis pas morte. Je suis juste allée à Idizo pour vous apporter de l'eau à boire. Et croyez-moi, venez boire. L'eau, c'est la vie. Ne l'écoutez pas. Elle ment. Ce n'est pas Ihoma, notre ami. Tu n'es pas Ihoma, notre ami. C'est moi. C'est un gros mensonge. Que peut faire d'autre une amie pour ses amis, hein? Elle est allée jusqu'au village nous chercher de l'eau à boire et tu nous dis de ne pas la prendre? C'est un gros mensonge. Tu vois? Oui, maman. Tu as raison, maman. Ah, apporte cette eau qu'on la boive, s'il te plaît. Fais pas ça. Je croyais avoir entendu plutôt que tu étais notre chef. Maintenant, tu veux la laisser nous convaincre alors qu'elle n'est pas réelle. Je suis réelle. Dans cette forêt maudite est réelle. C'est moi. L'eau n'a pas d'ennemi. C'est Iwoma. Ne bouge pas. J'ai très soif. Buvons, non? N'oubliez pas qu'on venait juste de rencontrer un imposteur qui a prétendu être Sam, le frère de Chinwe. S'il vous plaît, faites-moi confiance. C'est moi, Iwoma. C'est moi. Tais-toi là-bas, imposteur. C'est quoi ton problème? Vous avez besoin de cette eau. Oui, on en a besoin, mais pas venant de toi. Les filles, allons-y. Ok, prenons la gourde et partons. Allons-y! Oh, ouais. Oh, ouais, tu as besoin de cette eau. Tu en as besoin pour survivre. L'eau, c'est la vie. Allez, bois, je sais que tu as soif. Tu n'es pas réelle. Je suis réelle. Tu es mon ami, yo. Si je te frappe. Ne touche pas à ça. Chinwe, bois. Si tu as très soif, je le sais. Tu prends l'apparence de mon ami pour venir nous tromper. Mauvaise. Imposteur. Vous avez besoin de cette eau. C'est toi qui vas boire ça. Maman, bois ça. Allez, bois. Bois de l'eau, non? Pourquoi tu y agis? Ferme ta bouche. Mauvais esprit. Je ne peux pas te décevoir. Bois cette eau, parce que je sais que tu as très soif. Écoute, bois. Tu es bel et bien morte. Fiche-nous enfin la paix. Tu as compris? Je ne suis pas morte. Reste loin de nous. Tu y as besoin. Reste allez, loin. Bois. Bois, bois. Qu'est-ce qu'on a? Fuyons, allez, allons-y. Chinwe, Chinwe, cours. Nawao, c'est quel genre de pipi courait aller faire? Pour tout le village? Ou bien elle a pris tous nos pipis pour aller pisser une fois? C'est quel genre de long pipi ça? C'est vrai, oh. Chinwe, va la regarder. Dis-lui de revenir pour qu'on continue la quête. Hey, Ouré. Ah, pourquoi tu t'es divisée? Tu es jumelle? Ok, vous voulez nous embrouiller, c'est ça? Donc, maintenant vous vous transformez comme nous. C'est la vraie Ouré. Hein? C'est la vraie Ourema. Non, 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 non. Voilà la vraie Ourema. Voilà notre amie, la vraie Ourema. Je te soutiens, Betty. Tes yeux ont bien vu. C'est vrai. C'est celle-ci. Non, 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 non. C'est la vraie Ourema. Regardez, ne soyez pas confuse. Ok? Si vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est la vraie Ourema, suivons-la. Hein? Voilà la vraie Ourema. Celle-ci est fausse. Ben. Allons-y. Allons-y. Ok. Allons-y, c'est la vraie Ourema. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ne venez pas. Restez là, mouret toutes. Eya.
Laisse-la partir. Iya. Laisse-la partir. Reposez en paix. Laisse mon nom porter à la suite. Ce sont elles qui ont choisi. Tu comprends? Toi. 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 Je n'ai pas confiance. Attends. Tu n'as pas disparu? Chinwe. C'est vraiment toi. Peux-tu être un peu sérieuse? Je suis sérieuse. Les autres ont suivi la fosse. Regarde ta tête. Tu es la vraie, je confirme. On doit partir. On doit partir maintenant. Pas de temps à perdre. Nous devons continuer notre quête, s'il vous plaît. Il faut une gifle pour confirmer ça aussi. Hein? Pour faire quoi? Aller où? Allez, laisse ça. On ne peut pas le faire. Elles ont choisi leur route. Prenons également la nôtre. Allons-y. Prenons notre route. Allons-y, les filles. Hein? Notre route. Pourquoi est-ce qu'il y a des arbres en brousse? Cette forêt, avec plein d'arbres. Attendez! Je suis fatiguée. Où qu'en es-tu dans cette forêt maudite et tu nous y amènes? Je suis fatiguée, Aa. Qu'est-ce qu'il y a? Ebere, Auré a raison. Continuons d'aller tout droit. On va chercher et trouver la bague. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Allons rejoindre les autres. Aa. Nous ne faisons que tourner en rond, tu ne connais nulle part. Je suis fatiguée. Non, 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 on ne retourne pas chez cette fausse Auré. Mauvais esprit. Non, non, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Avancez, d'accord, mais rentrez jamais. Cherchons ici. Steph a raison. Cherchons ici. Là-bas doit être quelque part. Pas besoin de rentrer. Commençons. Ici. Je suis fatiguée. Vous, cherchez. Mais comment si ici fausse, on va juste... Toi, va par là. Chercher la bague. Tu vas bien? Attendez. Coucou, 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 coucou. Hein? Dende? Où? 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 La musique, c'est la vie. Eko Bondo. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Cette musique est belle, oh. Allons danser. Je me souviens encore de tes pas de danse. Ah! Pendant les répétitions du Festival de la Gala. Fais-moi confiance. Hé. Elle connaît danser. Hey.
Hey! 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 Hey, j'ai dansé comme une folle. La façon dont tu secouais ton corps le jour. Vous savez, c'est comme si on a apporté les tambours dans ce voyage. S'il vous plaît, la danse est vraiment, vraiment très importante. Allons danser. Allez où? Qu'on aille se trémousser, non? Chinwe, ici c'est la forêt maléfique. On ne peut pas rester ici. On doit continuer notre quête. Hey, le fait de chercher la bague ne nous empêche pas de danser. Hey, quand tu travailles sans t'amuser, tu deviens très faible. Tu te fatigues très vite. Mais la danse, ego bondo. La musique, c'est la vie. Vous ne saviez pas? Vous ne savez pas que si vous dansez maintenant, vos corps vont prendre de l'énergie. Vous aurez la force d'aller chercher la bague. La danse de la forêt est très bien. Tu vois les esprits? Ils savent twerker. Les esprits tournent les reins. Restez là. Je m'en vais. Vous dites quoi? Je vais chercher l'endroit. Oui. Là, maintenant, je me focalise sur la musique. Ne pars pas d'ici. Moi? N'y va pas, Tinoué. Je suis déjà partie. Hein? Nguano. Hey! Tinoué, reviens ici. Ouais, ouais. Tinoué. Eguasa. Ouais. Laisse-la partir, elle va revenir. Continuons nos recherches. Colle-moi.
Auré, je ne me sens pas à l'aise là. Allons chercher Chinwe. Allons la chercher, s'il te plaît. Ici, c'est la forêt maléfique. Tout peut arriver à tout le monde. S'il te plaît, allons la chercher. Chinwe! À l'école, moi. Tonton Esprit. Hein? Non. Nous sommes en boîte de nuit. Une boîte de forêt. Colle-moi! Bébé. Tonton Esprit. J'aime ça. J'aime beaucoup. Oui, maman. Continue, maman. Colle-moi. Colle bien. Chinwe. Chinwe, viens. Chinwe, viens. Chinwe. Chinwe, viens, on y va. Viens. Allez. Les filles, fuyons. Allons-y. C'est la rivière. C'est la rivière. Ça s'enfonce de plus en plus. Je marche, tu veux que je tombe dedans? Hein? Il y a de la boue partout. Mon grand-père est le chef de la forêt maléfique. On n'est pas arrivé, chinoise. À cette heure, je serai morte. Hein? Dieu merci que vous soyez venu me sauver. Imaginez que ces esprits partaient avec moi. À cette heure, je serais devenu un esprit. J'allais être un gros esprit. Comment est-ce que j'allais disparaître? Je ressens quelque chose. Tout ne va pas bien pour Steph et les autres. Nous devons aller les chercher immédiatement. On doit aller les chercher immédiatement. Tiens ça. Elles sont en danger. Fatiguée? Tu es plus fatiguée que moi? Vous savez que courir me dépasse, mais vous courez. Maman? Hein? Que se passe-t-il? On a entendu vos voix. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hey. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey. Merci d'être venu à notre aide. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé si vous n'étiez pas venu à notre secours. Hein? Je suis épuisée.
Allez, partez. Partons d'ici, allons-nous-en. Partez. C'est moi qui vous garde maintenant. Que quelqu'un vienne encore nous attaquer. Elisa, ne me dis pas que tu penses encore à notre fille. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas penser à elle? Hein? Je ne sais même pas si notre fille est encore en vie. Elisa, rien n'est arrivé à notre fille et rien ne va lui arriver. Elle est en vie. Et elle restera en vie. Naibiko ne suppose pas seulement. Hein? Tu dois faire quelque chose. Essaye de découvrir si notre fille est encore en vie et en bonne santé. Tu es là à me demander d'arrêter de réfléchir. C'est d'accord. Je te fais la promesse que je ferai quelque chose. J'essaierai de trouver. Mais je sais qu'elle est encore en vie. Mais tu devrais plutôt sortir de cette humeur. Laisse-moi au moins essayer de trouver un moyen d'abord. Mais à Dieu ne plaise, rien ne lui arrivera. Allez, libère-toi un peu de cette humeur. Arrête de penser et de t'inquiéter. C'est pour ton bien. Je te promets que je ferai quelque chose. Elle va bien. Notre fille va bien. Allez, ne sois plus morose. C'est le plus important. Maman, ne t'inquiète pas. Ma sœur reviendra en vie. Ah ah, j'ai confiance en elle. Tu t'inquiètes beaucoup.